Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu d'horreur, Missing Killer. C'est un jeu un peu nul, mais écoutez, bah ça fait le taf quoi. Bon bah allez, on va jouer. Wouah, c'est trop stylé. Ah, par contre... Allez, ça avance en WASD. Ok, bah je passe mon clavier en anglais. 30 secondes. Hop, voilà. C'est bon. Ok, donc on est dans une petite voiture, j'aime déjà bien l'ambiance. Hein, je vois que ça se passe la nuit et tout. Bon, en général, les jeux d'horreur, ça se passe la nuit, ça va pas se passer la journée. Ok, ok. Bah, j'essaie de deviner la marque de la voiture, même si c'est compliqué à l'intérieur. Il est bizarre, le volant. C'est pas... Et même le contour, 10 000 tours minutes, c'est bizarre, ça aussi. Ouais. Et non, j'arrive pas. Je trouve pas. Ok, ok. Bah, pour l'instant, on roule. Je me demande quand ça va s'arrêter de rouler. Ok. Ouais, donc le jeu, malheureusement, on peut pas modifier... Oh putain, qu'est-ce que je fais moi? On peut pas modifier les touches, malheureusement. Donc je passe mon clavier en anglais, voilà. C'est pas grave. Normalement, c'est pas censé changer grand-chose, à part si je dois écrire quelque part, peut-être, je sais pas. En vrai, ça fait quoi si je fais ça? Ouais. Belle esquive. Ok. Je pense que je dois continuer... Non, pas tout droit, à mon avis. Station essence. Ok, gas station. Ok. Oh, vous allez voir comment je me gare tellement bien. Voilà. Ok. F. Oh! Oh, une M3! Wow, magnifique! Bah si j'avais su que c'était une M3, j'aurais pas foncé dedans. Oh, une classe E blanche. Oh, elle est jolie aussi celle-là. Moi j'aime bien cette voiture. Camionnette. Je crois que je dois rentrer dans le magasin. Faut que j'arrête de... À chaque fois que je vois une voiture, être content. Oh là là. Ok. On parle d'abord au monsieur. On va voir ce qu'il faut faire déjà. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Ok, ok, très sympa le monsieur. Il est vraiment très 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 sympa. Peut-être parler à lui, il serait peut-être un peu plus gentil. En gros, il a dit qu'il a vu son frère aller ici pour aller acheter des petits trucs et en fait, et il lui demandait aussi s'il avait contacté la police et qu'il a... Et voilà, c'est tout en fait. C'est tout ce qu'il dit. Et tout ça pour dire tout ça en fait. Une aussi longue ligne de dialogue, tout ça pour dire « Ouais, je l'ai vu, il a acheté quelques trucs. » C'est honteux ça. Bon, je suis désolée si vous entendez l'horloge, hein. Moi aussi, elle me saoule, elle m'énerve, je peux pas rester concentrée. Ça... J'ai vraiment envie d'éclater cette horloge. Hésite-moi. Dégage. Voilà, c'est mieux. Hop, on se replace. Désolée, ma chaise aussi, elle fait du bruit. Ok, ok. Déjà plus gentil, lui. Ben, toujours à faire ses courses, hein. T'hésites, hein? Hein, t'hésites? Réponds pas, c'est bien. Elle était pas là, la voiture, tout à l'heure. Je me rappelle, hein. Je suis passé ici, j'ai vu la camionnette, mais j'ai pas vu ça. J'aime bien aussi, j'aime bien. Bon. On peut prendre... Je pense qu'il faut prendre la voiture. D'accord, super. Donc on va y aller à pied jusqu'à... Jusqu'à où en fait on va aller à pied là? C'est loin quand même.
On va marcher tout seul dans la forêt sans rien. Sans moyen de déplacement. Super. Bah alors là, c'est nickel. Ah sinon, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de petit jeu de nul là. Ce genre de petit jeu nul là. Dites-moi si ça vous plaît. J'en referai, j'en ai plusieurs. Plusieurs, je dis un ou deux quand même, max. Des petits jeux histoire, des petits jeux narratifs et tout, ça peut être drôle en vrai. Ou non, j'ai pas de jeu d'horreur long. Je sais pas si ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait un jeu d'horreur long, mais un vrai jeu d'horreur, pas comme ça, par exemple. Je sais pas, Resident Evil par exemple. Bon, Resident Evil c'est un jeu très long, mais je peux peut-être essayer de le faire. Hein. Si ça vous plaît, dites-le-moi. Ok. Fils, pardon. Tu sais que tu m'as fait peur, chef. Pervertor creep. Je sais pas ce que ça veut dire. Crypt. Creep. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Dites-moi si vous m'entendez bien. J'ai pas changé de micro, mais bon. J'ai tenté de faire un rec. J'ai pas entendu mon retour. Je me suis dit, oula, c'est bizarre. Et après, bah, j'ai re-regardé le rec que j'ai fait pendant au moins 2 minutes. Je parlais tout seul. Et du coup, bah, on n'entendait rien. J'étais tellement déçu. Ok. Look, man, I just. In day. Ouais. Mais en fait, aussi, première question, qu'est-ce qu'il fout là? Il fait genre moins 5, moins 10 degrés avec une tente et il campe dehors. C'est le pire truc, il est genre 1h, 1h30 du matin. C'est. Ouais, peut-être qu'il est 19h aussi, mais bon. Mais bref, il est tard, quoi, il fait nuit. Il fait nuit noire. Ah, moi, j'ai jamais fait de camping, je pense que j'en ferai jamais, hein. Ok, From the Woods. Ah, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Désolé si je suis absent un peu en ce moment, mais juste. J'ai plein de choses à faire et tout. Je suis désolé. What do you mean? Talking about peace. Mean again? No, I don't. Mais il est bizarre, il se comporte bizarrement quand même, hein, lui. Il est chelou, il est chelou. Bon, après, je le comprends, il y a un mec bizarre, il vient lui demander s'il a vu son frère, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un fou. Je vous laisse lire, hein, ceux qui ont fait anglais LV2, là. Allez, va te coucher. Allez, hop! Va dormir! Est-ce qu'il va dormir? Vas-y! M'a fait peur quand même, hein. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des lives et tout. Je pose plein de questions, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, moi. Ok, bah, en vrai, l'ambiance, elle est plutôt pesante. Ah, c'est ça, ok. L'ambiance, elle est plutôt pesante, hein. Mais ça me fait flipper un peu le jeu, même si les graphismes, ils sont vraiment horribles, hein. Ils sont nuls. Ils sont gaze. Ils puent. Ok, bah, je vois pas grand-chose. Je vois rien qui change. Il n'y a pas de changement de biome, il n'y a rien. Même pas un biome où il y a beaucoup de terre et tout, non. C'est que de la neige. Ok. Ouais. Donc moi c'est une totale découverte de jeu là, j'ai jamais joué à ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je regarde un peu derrière parce que ça fait stresser. Ouais. Non, il y a rien en fait, je flippe pour rien, je suis une flippette, c'est tout. Je suis un peu heureux.
jingle, I should my tent on the left side of the road. Le pire truc à faire, sérieux. Le pire truc à faire. À tout moment, il y a une voiture qui glisse et... Ouais. Bref. Je vais mettre bien loin de la route. Voilà, ici, c'est bien. My finger is pretty numb. Je sais pas ce que ça veut dire. It's hard to build the tent. Eh ben, belle tente, hein. Je... Elle est propre, la tente. Oh, le pire plan. Oh, le pire plan. T'imagines, tu fais une paralysie du sommeil dans une tente? Ah non, le trauma. Il fait tout noir, donc on va se réveiller le jour. Je pense on va le chercher le jour, à mon avis, parce que ça va pas être très pratique de le chercher la nuit. Quoi? Encore une fois, vraiment, le pire truc, hein. T'entends un cri dehors, le premier truc que tu fais, tu sors de ta tente, tu vas voir où il est le cri. Mais c'est le pire truc. Notre personnage, c'est un imbécile ou quoi? Oh, je suis enrhumé, ça m'énerve. Ouais, j'entends un cri. On est d'accord. J'espère que vous avez entendu le cri aussi. Ça fait genre... Ah! Un mec qui se fait torturer, quoi. Ouf. Oh, le pauvre. Grosse force. Vous pensez avoir retrouvé notre frère ou pas? Mettez oui ou non dans les commentaires maintenant. Moi, je pense... En vrai, non. Parce qu'il... Non, c'est pas possible. Et je pense qu'il sera pas vivant, non. À mon avis, non. Puisque bon, à tout moment, celui qui a crié, c'est notre frère. Donc ouais, réfléchissez bien dans les commentaires. Ouais, bon bah, il y a une petite maison en face. Oh. Oula. Je vous jure, c'est pas moi qui éteins ma flashlight. Je vous jure. C'est pas moi. Ok. Faut qu'on examine un peu autour aussi pour voir s'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un de caché. Ah, tiens, un sac. Mais... Oh, c'est bizarre, c'est le sac à son frère, il a dit. C'est chelou. Qu'est-ce que son frère, il vient ici, là. Bizarre, les gars, bizarre. Y'a rien, non? Non, y'a rien. Bah, je vais... Là, ça me fait peur, là. Là où il fait noir et tout. Ok. On peut pas fouiller les poubelles ou quoi? Non, y'a rien de bizarre dans les poubelles, je crois. Je sais pas ce que c'est de la viande, c'est un tissu. Oula, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est. Ok. Je ferme la porte ou je la laisse ouverte, les gars? Ah, je la ferme. La porte. Hein. Ouais. Ok, il y a le sac, je crois que c'était à gauche. Ah ouais. Un bon petit sac caché. Eh, mais ça, je reconnais, c'est ma voiture et ma tante, ça. Mais ma voiture, elle est pas garée comme ça. C'est bizarre, ça. Hein? Donc, ça veut dire qu'il est venu chez moi pour aller prendre une photo de ma voiture et là, il a pris une photo de ma tante. Aïe, aïe, aïe. La honte. Quel stalker ce mec, trop bizarre. Hein? Quoi? 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 Qu'est-ce que... Attendez, il y a un générateur, de l'essence, des grosses flaques de sang avec un... Oh, ah non, c'est horrible. Et moi, je vais me barrer vite d'ici. On se casse. Non. Non, va dehors, chef. Cours, juste cours. Le pire truc, t'es vraiment le pigeon qui vole le moins haut de la troupe. Et voilà. Y'a rien à voir ici, mon pote. Y'a rien à voir. Tu veux voir quoi? Vas-y. Comment à sa place, j'aurais couru, mais... Oh, la musique, j'aime pas. Oh, non, j'aime pas. Oh, non. Y'a rien, les gars. Non, y'a rien.
Mais qu'est-ce que je dois chercher? Oh my god. Ah, j'ai oublié d'interagir ici. Ok. D'accord. Je pense on va sortir. Wow. Mais c'est quoi ce screamer? Comment j'ai pu avoir peur, sérieux? Mais le screamer, elle a vraiment une tête de neuil, hein. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, hein. Écoutez, likez, abonnez-vous et bah j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne... Vas-y, allez, salut!